Bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise, dont c'est la 7e édition. Merci à Dominique Garcia, président de l'INRAP, pour sa présence, d'être revenu donc et d'avoir participé à cette table ronde sur le thème archéologie et bande dessinée. Alors, la bande dessinée, vous n'en avez pas trouvé dans quelques fouilles archéologiques, mais par contre, des albums, je parle, mais par contre, les peuples anciens ont quelque part fait de la bande dessinée, peut-être, sur des colonnes, sur des engravants, ou par des images, disons. La culture est ce qui définit l'homme, et donc depuis les périodes les plus anciennes, bien entendu, l'homme s'est exprimé, a dessiné. Bon, qu'on pense aux parois de Chauvet ou de Lascaux, des gravures plus intimistes de périodes un peu plus récentes. Donc le dessin existe, et l'histoire sans doute existe. Aujourd'hui, l'avantage peut-être de la bande dessinée, tel qu'on a pu en discuter cet après-midi, c'est d'avoir à la fois les images, mais également le texte, donc le scénario et les images qui l'accompagnent. Donc la lecture est moins sujette à discussion que celle, mettons, des parois des grottes préhistoriques. Alors l'INRAP, avez-vous rappelé, c'est à peu près quelques 2000 fouilles dans l'Hexagone par an ? Alors l'INRAP, effectivement, établissement public, on suit l'activité archéologique sur tout le territoire national lié à l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on essaie d'être dans ce cercle virtueux qui consiste à accompagner l'aménagement du territoire et à réaliser des fouilles en préalable aux travaux d'aménagement pour conserver les sites par l'étude. C'est-à-dire un site est fouillé, une fois qu'il est fouillé, il est étudié, et on estime qu'un site fouillé et étudié est un site conservé, et ensuite que l'aménagement peut être poursuivi pour fabriquer du patrimoine pour demain. C'est ça le travail des 2000 archéologues de l'INRAP. Et parmi les nouvelles missions que confie l'État aux scientifiques, aux chercheurs, aux archéologues, donc, c'est de diffuser, de vulgariser auprès du grand public, alors, la médiation donc. Bien entendu, l'archéologue n'est plus comme au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, celui qui accumule les données, qui construit des cabinets de curiosité, mais bien celui qui retrouve des archives, arrive à les lire, à les transcrire. Les documents archéologiques, c'est les archives du sol. L'archéologue arrive à raconter une histoire, et bien entendu, cette histoire n'a de sens que si elle est partagée avec le plus grand nombre. Donc, dans ce plus grand nombre, il y a bien entendu le milieu des chercheurs, des scientifiques, les enseignants, les enfants, mais aussi un public beaucoup plus large. Et cet après-midi, on l'a pu le voir, la BD est un moyen aujourd'hui qui permet de diffuser les informations vers le plus large public, donc de restituer, que chacun s'approprie l'histoire qui a été révélée sous la truelle des archéologues. Et cette table ronde a souligné aussi que, en fait, les archéologues et les scénaristes, les auteurs de bandes dessinées ont un outil commun, le dessin, finalement, parce que vous avez vos propres carnets de croquis, vous, les archéologues, sur le terrain. Alors, par définition, fouiller, c'est détruire un site archéologique. Donc, il est important de bien le documenter, de bien le renseigner, de bien signaler l'ensemble des découvertes. Et donc, depuis tout temps, l'archéologue a dessiné ses vestiges pour en donner pour transmettre une certaine image. Donc là, c'était plutôt pour archiver, pour avoir des informations pour l'avenir. Dans la bande dessinée, c'est plutôt de mettre en perspective, de scénariser une histoire et de donner un dessin qui soit en fin de compte un raccourci. On arrive en deux tomes d'une bande dessinée sur la guerre des Gaules à raconter une histoire de 4 ans, ce qui est quand même beaucoup plus difficile lorsqu'on l'écrit ou lorsqu'on le réalise. Les bandes dessinées peuvent éveiller des vocations d'archéologues. Vous, par exemple, Racam le Rouge, ça vous parle ? Voilà, le fait de la situation de l'archéologue dans la bande dessinée est très rarement, bien entendu, celle de l'archéologue aujourd'hui sur le terrain, au quotidien, par tout temps, qui essaie de sauver le patrimoine par l'étude. Mais que le jeune enfant couché au moment de la sieste décide de lire une bande dessinée et soit pris effectivement par des vestiges égyptiens à travers une bande dessinée où suivent les aventures de Tintin, du capitaine Haddock, voire Astérix, me semble bien naturel, parce que être archéologue, c'est être un scientifique, mais garder également sa nature et ses rêves d'enfant pour les partager. Donc effectivement, je crois qu'il y a un lien quand même entre les rêves d'enfant et la réalité de l'archéologue d'aujourd'hui.
plus difficile peut-être, et de rappeler aux gens qui avaient des rêves d'archéologues quand ils avaient 10 ans et qui ne le sont pas venus, qui ne sont pas devenus archéologues 20 ans ou 30 ans après, que l'archéologie, ce n'est pas tout à fait ça. Il m'arrive, moi, aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, de rencontrer des décideurs, des politiques, qui voulaient être archéologues et qui ont gardé peut-être une image de l'archéologie qui était celle d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. Et donc là, le dialogue est parfois un peu plus difficile. Vous disiez dans l'une de vos interventions que le dessin archéologique avait précédé les archéologues. Oui, dès le XVIIIe siècle, on a des représentations de ruines, des représentations de sites archéologiques, au moment où il n'y avait pas d'archéologues institutionnels, il y avait des voyageurs, il y avait des explorateurs qui, sur le vif, entre guillemets, pour un site archéologique, prenaient, dessinaient les vestiges. Donc voilà, les premières fouilles de Pompéi au XVIIIe siècle, on en a des traces écrites. Très peu, on a beaucoup de dessins, on a beaucoup de croquis, ce sont des documents archéologiques avant les archéologues. Alors faut-il être bon public devant certaines bandes dessinées si elles ne fouillent pas dans le détail tel aspect Alors sans être méchant pour personne, moi je ne recherche pas dans une bande dessinée un dossier pédagogique réalisé par le CRDP. Donc si je veux un détail sur un torque, si je veux un détail sur une peinture rupestre, j'irai voir dans un atlas, dans une carte archéologique, dans un ouvrage de référence, dans un manuel. Dans la BD, je veux que les éléments soient crédibles, mais qu'en revanche, il y ait une histoire qui me porte. Et c'est ce qui me permet d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, donc je ne suis pas l'archéologue mesquin qui cherche l'erreur chez Astérix ou dans Tintin ou dans Alix, même au contraire, pour dire quelque chose qui ne sera pas répété et donc pas vu dans ce film. Peut-être que la méticulosité des dessins dans Alix a tendance parfois à me faire lire l'album en deux parties, alors que je lirai Astérix en un seul trait, parce que je n'irai pas chercher le détail et que le détail ne m'ennuiera pas, au contraire, m'entraînera dans ma passion de lecteur. Voilà, vous privilégiez finalement l'histoire qui fait rêver, qui vous entraîne. Le scénario, tout ce que moi je ne peux pas faire, c'est-à-dire voilà, l'humour d'Uderzo et de Goscinny, le scénario, tout ce qui me fait rêver, ce dont j'ai besoin, en fin de compte, l'élément supplémentaire. Je n'ai pas besoin de preuves archéologiques dans une bande dessinée, et on m'apporterait la preuve historique dans une bande dessinée que je ne le croirais pas, parce que je ne crois pas que ce soit le bon support. En revanche, j'ai besoin d'avoir une histoire plus vaste, large, sur la bande dessinée sur Narbonne qui est parue l'an passé, dans laquelle Madame Alibert, Monsieur Golovin ont œuvré. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce que je ne suis pas arrivé, moi, à voir de Narbonne en tant qu'archéologue. Je connais le Clos de la Lombarde, je connais les fouilles de Corinne Sanchez. En revanche, le port large, les auréas, je ne les ai pas vus. Et ça, il y a une vue aérienne que ne pouvaient pas voir les Romains. Le Grand Fleuve aussi. Le Grand Fleuve. Oh. Aude, qui est représenté là dans toute effectivement sa puissance, on ne le voit pas aujourd'hui dans le paysage urbain, on ne le trouve pas dans la carte archéologique, on le trouve dans la BD, et tout ça, c'est quand même l'histoire de Narbonne. Donc à la fois une atmosphère et en même temps une vue d'ensemble qui voilà, vous permet de mieux comprendre. Quoi. Dessiner le passé, c'est dessiner ce que l'on ne peut pas toucher. Et donc je trouve que la bande dessinée est un bon outil historique parce qu'elle permet de dessiner le passé. Ce n'est pas de l'archéographie, ce n'est pas du dessin technique, c'est dessiner le passé, dessiner une histoire, une atmosphère. Merci Dominique Garcia. Je vous en prie.